la vie, de dire je n'ai pas le temps. Ah, le temps, ce grand alibi. Le temps, cette denrée rare. Le temps, qui nous le donna, si ce n'est Dieu, le Père céleste. Sachant que chaque instant de notre séjour terrestre est un pas vers la mort, il est donc temps de racheter notre âme. Le temps, c'est le grand alibi. Le temps, c'est une denrée rare. Le temps, qui nous le donna, si ce n'est le Père céleste. Bienvenue sur cette nouvelle émission Le Temps. Je me dirige maintenant vers Alain Moloto et vers Mireille Bassirois. Bonjour Mireille. Bonjour. Alors, qui sont nos invités à cette nouvelle émission? Vous avez certainement reconnu les visages. Hein. Alain, que j'appelle toujours mon pote, est donc bien le responsable du groupe Gaël, le groupe Gaël que vous avez apprécié depuis longtemps au Cameroun. Et Mireille Bassirois, c'est bien la chanteuse que vous connaissez bien, hein, qui chante Vase d'honneur, Agneau de la Rédemption, et beaucoup d'autres voyages. Vous voyez très bien. Elle est contente d'être à la télévision camerounaise. Elle est consciente que ceux qui la regardent du nord au sud ou de l'est à l'ouest du Cameroun la reconnaissent. Et sont contents. Alors Mireille, première question, il est où le ventre? Le ventre est quelque part dans la maison. Voilà, on a tout compris. Quel âge déjà? 2 ans et demi maintenant. Ah ben vous voyez, donc vous pouvez déjà faire le lien entre le clip et le moment de la naissance. Mireille, tu as sous la main un mail. Vous savez, nous avons donné notre émission toujours par un mail et celui du jour est le suivant que Mireille doit maintenant lire. Monsieur Guy Kelemba, bonjour. J'ai tenu à vous écrire ce jour pour vous dire combien votre émission « Le temps » me touche beaucoup. J'ai pu vous dire que mes larmes ne cessent pas de couler pendant chacune de vos émissions. J'ai aussi été touchée par l'intervention du président Kyungji, du pasteur Kyungji, dont j'aimerais avoir les contacts. Si c'est possible, j'ai pas mal de problèmes et j'aimerais rencontrer quelqu'un comme lui qui pourrait me soutenir dans ma vie spirituelle. J'apprécie beaucoup ce que vous faites pour nous, avec des titres comme « Chilo, il faut être », pour ne pas pleurer. Mercredi dernier, j'avais un sérieux problème et le fait de vous écouter m'a redonné goût à la vie. J'aimerais garder le contact avec vous. Je réside à Yaoundé. J'espère que mon message retiendra votre attention. Salutations sincères, Sylvie. Voilà Sylvie, pour ce message sincère, je vous offre encore une deuxième fois. C'est une grande première dans l'émission Le Temps. Nous ne diffusons pas très souvent le même clip plusieurs fois, mais je vous redonne encore, que ce soit à Sylvie et à tous ceux qui ont aimé Chilo, je vous redonne la possibilité de regarder encore une fois depuis Chilo. Regardons Chilo et on retrouve nos invités ensuite. C'est parti avec Chilo. Sinon, je ne saurais pas.
Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Jésus. Tiens-moi par la main. Conduis-moi sur le chemin que tu as tracé pour moi. Alléluia. Tiens ma main sur le chemin. Viens poser sur moi ta main. Fais briller par ton amour mes lendemains.
question que les gens se posent directement. Est-ce que tu es pasteur? Bon, pasteur de nom, non. Mais de ce que je fais, j'assume quand même certaines charges pastorales par rapport à tous ceux que j'encadre, parce que ça fait quand même un nombre important de personnes. Ouais. Dis-moi Alain, quand je vous vois en concert, quand je vous vois en concert, quand je vous vois en concert ou en clip, bien entendu, en toute honnêteté, je vois dans le public des personnes qui sont vraiment pénétrées, des personnes qui fondent en larmes quand ils écoutent vos chants. Je vous vois dans une inspiration totale. Où est-ce que vous allez puiser cette force? Bon, disons que souvent, beaucoup confondent les réunions d'adoration à des concerts. Nous ne présentons pas un concert, donc nous ne sommes pas devant un public, mais nous présentons plutôt, nous assumons un culte d'adoration et nous sommes en face d'un peuple de Dieu que nous conduisons dans sa glorieuse présence. Ce qui fait que le Saint-Esprit est toujours au rendez-vous de cette rencontre. C'est le Saint-Esprit qui donne du tonus et qui donne la vie à cette rencontre, l'expression de nos cœurs que nous rendons audible par la voix, et puis tout l'agencement qu'il y a, toute la programmation qu'il y a par rapport à tout ce qui est prévu dans le culte, nous présentons quand même une offrande agréable à notre Seigneur. C'est tout à fait normal que l'Esprit agissant, on ait des réactions d'une façon ou d'une autre parmi ceux qui participent avec nous et voilà, qui adorent leur Seigneur. Et puis il n'y a pas que ça, parce que au fil et à mesure que nous adorons, lorsque vous sentez que le Seigneur est vraiment exalté et que tous les esprits sont concentrés sur sa grandeur, eh bien, on présente Christ. C'est en ce moment-là que l'état des cœurs des pécheurs remonte à la surface et chacun, ceux qui n'ont pas Christ, se rendent compte du vide de leur cœur et du grand besoin d'avoir Christ. C'est ainsi que dans nos réunions d'adoration, il y a toujours beaucoup de conversions aussi qui se passent. Non seulement des gens qui pleurent parce qu'ils sont touchés et saisis par le Saint-Esprit, mais des gens qui se rendent compte qu'ils ont besoin de Christ que nous exaltons, que nous adorons. Tu vois. Sur chers téléspectateurs, je vous ai dit il y a environ un an, sinon un peu plus, que vous aurez bientôt sur votre écran le groupe Gaël. Vous voyez, je ne mange jamais, ils sont là. Et vous avez les deux principaux membres du groupe, deux membres du groupe qui sont là. Mais je vais aller maintenant vers Mireille. Vous serez au Cameroun bientôt, Alain, ça c'est sûr. Alors, dis-moi Mireille, j'ai eu dire que tu es en train de préparer un nouvel album, en solo, mais bien entendu soutenu, porté par le groupe. Est-ce que c'est vrai? Oh, c'est vrai, c'est une vision que papa Alain, notre papa, nous tous, a eue il y a longtemps. Il voulait que chacun de nous, quelqu'un qui peut composer, qui peut faire un album, soutenu par lui bien sûr, avec tous les groupes derrière lui, qui fasse un album en solo. Et on a commencé, il a commencé par le frère Francis. Le CD de ce frère est déjà sur le marché, c'est déjà sorti. Et bon travail également Alain, hein, ça c'est. Et bientôt c'est moi, tous les gens ont déjà commencé les travaux, tout est déjà là et bientôt ça sera sur le marché. Et Mireille, dis-moi, vase d'honneur, vase d'honneur. Alors qu'est-ce que tu dis en fait quand j'écoute ce morceau vase d'honneur? Bon, c'est vrai, j'écoute ce que tu dis dans le chant, mais est-ce que tu peux nous dire à moi-même et aux téléspectateurs qui regardent en ce moment le message que tu transmets à travers ce morceau vase d'honneur? Vase d'honneur, les messages qu'il y a dedans. C'est d'abord le message que je me transmets à moi-même. C'est, on nous dit dans la parole de Dieu que Dieu est le vrai potier. C'est lui qui nous a formés, il nous a fait à son image. Moi, je n'étais pas là quand il m'a créé. Il a trouvé que c'était beau que j'ai des yeux comme ça et il l'a fait pour moi. Donc, j'ai pensé à tout ça. Je trouvais qu'il c'est vraiment un vrai potier. Il a bien fait des vases que nous sommes. Et nous sommes entre ses mains, il fait de nous ce qu'il veut. Et les chants là, c'est comme un chant de consécration. Je me remets encore entre ses mains, je me dis, Seigneur, utilise-moi, fais de moi ce que tu veux. C'est dans cet esprit-là que je fais ces chants-là. Est-ce que tu peux me mimer juste un verre de vase d'honneur, juste comme ça? T'inquiète pas, ils sont assez tolérants. Ils savent que tu viens de sortir d'une situation compliquée, donc voilà. Tu peux me juste un petit verre? Oh, c'est la vie. Je parle trop fort. Oh, je parle ou je chante? Fais de moi un vase d'honneur au service de ta grandeur, pour qu'un jour, oui, ma couronne
devant l'éclat. Ah oui, ça va, il n'y a plus d'enfants dedans. C'est vrai. Il n'y a plus d'enfants. Non mais je crois que les téléspectateurs sont en ce moment en train de voir défiler en fond d'écran les images de Vase de Gardien. J'ai bien aimé ce clip, hein. Pour être sincère, j'ai bien aimé ce clip. Et puis j'ai aimé ta tu es assez naturel. Et il y a un morceau également comme Bonayesu, je ne sais pas si je prononce bien le titre, où tu étais carrément assis dans le jardin et je ne sais pas si tu étais déjà 9 mois de grossesse. Et tu chantes et le caméraman il va te percher là dans un angle où tu es assis, tu chantes Mireille. Oui, j'étais plus loin, j'étais déjà fatiguée. Déjà je savais même plus qui me filmait parce que les autres étaient de l'autre côté, j'étais fatiguée, je me suis assise par terre parce que je devais continuer l'adoration. Quand on fait nos clips, c'est pas qu'on est là, on est en train d'adorer, on est dans l'atmosphère de l'adoration et je suis partie adorer dans mon coin et il m'a filmé. J'étais déjà fatiguée. Je crois après 3 semaines après où moi j'ai accouché. Donc j'étais déjà vers la fin. Chers téléspectateurs, maintenant nous allons marquer une petite pause dans cette émission et je vous invite tout de suite à regarder ce clip assez spécial. C'est la toute première diffusion de ce clip au Cameroun. Il n'a jamais été diffusé. Regardez en exclusivité Vase d'honneur sur l'émission Le Temps. Et à tout de suite.
Alors dis-moi Alain, aujourd'hui je vais te poser une question un peu délicate, hein. Je sais que c'est pas facile. Est-ce que tu peux me dire qu'en réalité tu vis de tes œuvres? Est-ce que tu peux me dire en réalité que tu... C'est vrai, nous faisons ce travail pour le Seigneur, mais il est également vrai que c'est une œuvre de l'esprit. Est-ce que tu peux me rassurer aujourd'hui que tu vis de ce travail que tu fais, de cette composition que tu fais? Est-ce que tu touches normalement tes droits d'auteur, etc.? Je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun, mais chez nous, ce n'est pas encore bien organisé. Donc jusque-là, nous vivons par la foi. Vivre de nos œuvres en tant que... Non mais Mireille, un zoom sur Mireille, dis s'il te plaît. Ça me rappelle une autre expression, vivre d'amour et boire de l'eau fraîche, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Pourquoi ça t'amuse? Non, ça m'amuse parce que déjà, je vous ai dit au début que j'ai grandi, mon papa est pasteur, j'ai grandi donc à l'église, quoi. Et cette phrase, ça résonne, tu vois, un enfant, tu viens dans ton papa, il a laissé son travail pour travailler pour Dieu, demande quelque chose, ça va aller ma fille, demain ça va aller ma fille, tu as la foi, on vit par la foi. Et puis quand il dit ça, tout ça me revient. Et ça me fait rire, mais c'est des choses vraies, je voulais juste te dire ça. La foi là, ça nous mène à quelque chose. Tu vis par la foi, vous voyez comment on va présenter, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Et quelqu'un qui va te dire qu'il vit par son travail, et bon, peut-être qu'il ne m'aime pas comme il est là. Donc la foi, ça fait vivre, c'est juste ça. Mais aujourd'hui, nous, cette nouvelle génération d'adorateurs du Seigneur, nous devons changer la donne. Et notre travail au niveau de cette émission, Le Temps, c'est de rendre la louange, de rendre les artistes chrétiens au Cameroun, de les rendre un peu plus, de les remettre dans leurs droits, de les remettre dans le vase qui est le leur. C'est pas normal que tu passes, parce que le Seigneur également, celui qui t'inspire, c'est pas normal que tu passes le temps à travailler ainsi et que tes droits, les droits qui doivent être reversés pour ce travail ne soient pas faits. C'est pas normal. J'étais en train de répondre à ta question. Pour dire que présentement, si nous regardons les choses telles qu'elles se passent, nous vivons par la foi. C'est-à-dire que nous ne savons pas comment ça se passe, mais nous sommes là. Dieu fait grâce. Seulement si ceux avec qui nous travaillons, producteurs, distributeurs, tous ceux qui interviennent dans la chaîne de l'industrie musicale, que chacun prenait ses responsabilités comme il faut, je pense que les choses se présenteraient encore mieux que comme elles sont. C'est un peu comme ma fille disait. Aujourd'hui, en tout cas, on ne se plaint pas parce que nous nous levons le matin, Dieu fait grâce, nous sommes bien. Nous avons des grands projets que nous devons réaliser, nous avons des grands défis à relever par rapport au futur. Il faut que, quelque part, ça nous accompagne. Mais nous nous butons à un sérieux problème, parce qu'il y a une race de producteurs et de distributeurs qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas le respect de la chose de Dieu, qui préfèrent faire des duplications dans le noir. Ils évitent de payer les droits, ils vont dans les petites usines à côté, dans le noir, ils font des duplications pour leurs intérêts. En ce moment-là, ils font tomber aussi les intérêts du groupe. Aujourd'hui, on a fait beaucoup de travail, mais sur le plan des répercussions, ça ne suit pas parce que les gens ne sont pas sérieux par rapport au travail qu'ils font. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, je ne sais pas comment ça se passe au Cameroun. S'il y a une société de protection des droits d'auteur au Cameroun, moi j'ai dit gloire au Seigneur. Si la duplication à l'usine est soumise à des paiements de frais de reproduction mécanique, moi j'ai dit ça, c'est très bon, mais encore faut-il que les personnes qui pourront s'en charger soient des hommes sincères, qui vraiment prendront la peine de payer les droits. Et en ce moment-là, ça pourra aller autrement. Je voudrais te dire tout de suite, c'est une certitude maintenant, c'est une certitude. Les produits de Gaël sont disponibles au Cameroun dans la maison GK Production. Ça, c'est une certitude. Mais je voudrais te dire tout simplement, Alain, aujourd'hui, je sais que tu es en train d'être membre de la CMC. Tu es en train d'être membre, je pense même que c'est déjà pratiquement confirmé. Au moment où cette émission sera diffusée, tu seras déjà effectivement membre. Est-ce que nous pouvons refaire le point dans un an? C'est un défi. Ouais. C'est un défi, oui. Que je pense que je te lance plutôt à toi.
C'est-à-dire, dans un an, si tu ne me fais pas passer par ton émission, je passerai quand même par une émission pour dire un an après, voilà les résultats que moi je peux donner. Voilà. Tout à fait. Moi, je suis d'accord avec, avec Alain. C'est vraiment un défi. Nous pensons que la maison GK, sans publicité aucune, a pour mission également de restituer donc, les auteurs dans les droits. J'étais moi-même proposé d'être membre de la CMC parce que notre but aussi, c'est de combattre la piraterie. Jusqu'aujourd'hui, la musique quétine avait toujours été considérée comme des cantiques. N'importe qui peut faire ce qu'il veut. Les droits ne doivent pas être payés. Nous avons dit non, ça va, ça stoppe. Et notre combat aujourd'hui est à ce stade-là. J'en profite d'ailleurs pour dire bonjour au nouveau directeur de la CMC. Je ne le connais pas encore. Moi, je suis Guy Kelemba. Alors, je lui dis bonjour. On m'a tout simplement dit qu'il est européen. Je ne sais pas de quel pays. Je vous dis bonjour, monsieur le directeur. Je vous invite vraiment à veiller sur ce problème de piraterie qui gangrène la musique en général. Moi, je trouve que tu as un certain naturel débordant. Hein. Et tout à l'heure, j'ai dit en début d'émission, dans l'émission, le temps se tutoie toujours. Mais de temps en temps, je ne te suis pas en train de me voir. Et tu le fais si naturellement, tu as l'air tellement bien élevé. Toi, tu jouais comme ça. Je ne sais pas, j'ai jamais fait attention à moi. Je ne sais pas si je suis comme ça, mais je crois que je suis comme ça, parce que je suis comme ça. Très bien. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais je vais d'abord demander, avant que nous nous séparions, je demanderai à Mireille et à Alain d'adresser un message à vous, pas à moi, d'adresser un message à vous qui nous regardez aujourd'hui, à vous qui regardez cette émission, naturellement qui sera diffusée le nombre de fois que vous savez. Regardez cette émission, ne la ratez pas, et dites à ceux qui n'ont pas regardé cette émission de regarder l'émission. Il y a Alain Moloto aux antennes et il y a également Mireille qui est là. Je vais demander donc à Mireille et à Alain d'adresser un message face à la caméra aux Camerounais qui regardent. Ce que je peux dire aux Camerounais qui nous regardent aujourd'hui, je voulais d'abord lui dire que nous les aimons beaucoup. Je sais, quand Jésus est venu, il nous a tous mis ensemble. Si je me retrouve en Europe aujourd'hui, j'adore, comme si j'étais à Kinshasa. Je sais bien que bientôt on sera là et je me sentirai chez moi parce que Jésus a brisé tout ce qui arrivait comme limite. Et c'est vraiment nos frères. Ces CD va encore nous mettre plus ensemble, qu'ils achètent les CD et qu'ils écoutent, qu'ils entrent aussi dans cette adoration-là, qu'on soit ensemble pour adorer Dieu. C'est juste ça que je peux dire aux Camerounais aujourd'hui. Et quand on aime ce travail, je crois qu'il y a plusieurs façons de le soutenir, notamment d'acheter les CD originaux, bien estampillés, de ne pas faire front avec les pirates, parce que là, ils travaillent pour le diable. Nous avons un royaume glorieux. Et je crois qu'en tant que tel, en tant que des personnes identifiées dans la liste de ceux qui appartiennent à l'éternité glorieuse de notre Seigneur, nous devons être un de cœur, d'âme et d'esprit et accompagner ce travail dans le respect des normes qui établissent les gens. Donc, je pense que c'est un grand message que je leur donne. Et je pense qu'on sera souvent avec eux par la voix de la télévision, pour essayer quand même de réchauffer la flamme de notre amour, parce que l'amour s'entretient, c'est comme un jardin qui doit être entretenu. Et bien que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'amour de Jésus-Christ vous conduise en toutes choses. Merci Alain. Je voudrais en profiter pour saluer le docteur. Je suis désolé si j'écorche votre nom, docteur. Ngobassium, je ne sais plus beaucoup, elle va se retrouver, qui nous a écrit récemment et qui nous parlait justement de Gaël, Et Alain, je te dis, je te passerai une copie du mail de cette dame qui est professeure à l'université de Yaoundé, qui disait qu'elle voulait bien acheter vos œuvres, mais elle ne voulait pas acheter des œuvres piratées. Mm-hmm. Elle m'a écrit ce mail, je l'ai lu à une émission. C'était une bonne conscience. Ça. Voilà, elle disait qu'elle ne voulait pas acheter des œuvres piratées. Je te donnerai une copie, peut-être que tu pourras lui écrire par son adresse. Voilà. Donc, docteur, je vous dis bonjour et merci que des gens comme ça, comme vous, existiez. Seigneur, je te rends grâce pour ce peuple merveilleux. Tu as lancé un avis de recherche et tu cherches les vrais adorateurs. Ma prière, ô Dieu, c'est qu'ils soient trouvés par toi. Comme tu veux qu'ils soient, ô Dieu, fais un grand travail dans leur cœur et que par ton amour, ô Dieu, tu les mettes à côté, tu les sanctifies afin d'être dignes de ton amour. Je te rends grâce parce que je sais que ta droite s'est placée sur chacun d'eux, ô Dieu, que toute personne qui recevra cette prière rencontre ta grâce de façon exceptionnelle. Laisse les cieux ouverts au-dessus de cette nation, ô Dieu, et que tout le peuple du Cameroun voie ta gloire au nom puissant de Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen. Et merci, restez fidèles à l'émission Le Temps. Rendez-vous à la prochaine émission. Bye bye. On dit bye bye Mireille, comme ça.